Pour vivre dans nos plaines, il faut apprendre à se débrouiller par soi-même. Tes vêtements de ville ne sont pas du tout adaptés à la vie dans nos plaines. À partir d'aujourd'hui, ta vie est ici. Tu dois oublier le monde d'où tu viens. Tu viens de me sauver la vie. Tu n'es pas blessé? Non, ça va, j'ai rien. Oh, ce chien là-haut. Tu le connais? En tout cas, il est pas d'ici. Les chiens du Tibet sont les seuls maîtres sur leur territoire. Ils se sentent peut-être proches de lui parce qu'il vient d'ailleurs. Je trouve que t'as été super. T'as apprivoisé un grand chien du Tibet alors qu'ils obéissent à leur maître. Ce matin, je suis tombé sur un homme qui avait été tué. Les blessures n'avaient rien à voir avec celles infligées par des loups. Si ce n'était pas des loups, alors qu'était-ce? C'était l'œuvre d'un démon. Yogi! Je sais pas où il est passé. Il n'y a qu'un monstre pour tuer avec une cruauté pareille. Tu crois qu'il est retourné d'où il venait? Je n'en suis pas sûre, mais c'est possible. Tu vas payer! Abattez ce chien! Yogi ne ferait jamais une chose pareille. S'il est prouvé que Yogi a tué un homme, je l'abattrai aussitôt. Père, t'es incapable d'aimer qui que ce soit! Tout a commencé lorsque cette bête est arrivée dans la plaine. Voulez-vous être sa prochaine victime? Yogi! Mon chien!